Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, hemos llegado aquí a la última parte de nuestro Congreso Educación e Inclusión desde el Sur. Muy contentos y contentas de poder estar haciendo este cierre, pero que por suerte también es una apertura, porque tenemos la enorme oportunidad, el placer de encontrarnos. Todo este Congreso se encuentra para cerrarse con una queridísima figura para nosotros de la pedagogía que trasciende los límites de nuestro país, de nuestra región incluso. Y la verdad es que en tiempos como los que estamos viviendo, cerrando esta pandemia, si hay algo que se exacerbó, que ya existía, tiene que ver con la desigualdad. Y para poder reflexionar en torno a la desigualdad y su relación con la educación, contamos con la apreciada palabra de François Dubet, destacadísimo sociólogo de la educación que venimos leyendo hace muchos años en los espacios de formación docente, los docentes entre sí. François Dubet, una prolífera producción de libros que venimos leyendo, para decir algunos de ellos, Dubet nos ha convidado con El declive de la institución en el año 2002. Donde tanto leímos y aprendimos en la escuela, Sociología de la Experiencia Escolar, con Danilo Martuccelli, en el año 96. Y recientemente, lo último que tuvimos y tenemos en mano es la época de las pasiones tristes, en el 2020, en donde justamente nos reflexiona en torno a este mundo desigual y lo que él está viendo que ocurre. Así que, enorme satisfacción para este Congreso contar con alguien de la talla y de la estatura de François Dubet, que ahora vamos a presentar y vamos a escuchar atentamente. Bueno, digamos, para hacer una presentación un poquito más formal y sumando lo que decía Gabriel recién, François Dubet es sociólogo, es docente magistral de la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales de París y profesor emérito de sociología en la Universidad de Burdeos. Es uno de los referentes en el campo de la sociología de la educación y podemos decir mucho más de François Dubet, pero creo que lo mejor es poder escucharlo. Así que los invitamos a disfrutar de su conferencia y a poner sus reflexiones, sus comentarios, sus preguntas a través de Facebook para que podamos así poder tener un intercambio con él. Bonjour, je suis très heureux de vous parler depuis la France et je vais essayer de vous parler de la transformation du mode de production des inégalités scolaires. Au fond, je crois qu'avec la massification, l'ouverture des systèmes scolaires qui s'est développée dans la plupart des pays depuis une cinquantaine d'années, les inégalités scolaires ont assez profondément changé non pas de nature ou d'amplitude, mais elles ont changé, la manière de produire les inégalités scolaires a beaucoup changé. Alors, si on considère les vieux pays de l'Europe ou du nord de l'Amérique, pour l'essentiel, jusqu'aux années 1960, l'école a été, au fond, une école de classe sociale. D'un côté, les écoles en appelaient à des valeurs universelles, la démocratie, la nation, le progrès, la raison, etc. Mais en même temps, l'accès à l'école était directement déterminé par l'origine de classe des élèves. Les enfants du peuple allaient à l'école du peuple, les enfants de la bourgeoisie allaient à l'école de la bourgeoisie. Et de la même manière que les garçons et les filles n'allaient pas dans les mêmes écoles, l'accès à l'école était directement déterminé par la naissance. Au fond, l'accès à l'école était une sorte de destin qui fonctionnait comme le reste de la société. Il y avait simplement, de temps en temps, quelquefois, des élèves d'origine modeste qui étaient poussés vers les études longues par les enseignants qui voulaient soutenir ces élèves. Mais statistiquement, la naissance déterminait l'accès à l'école.
Ce qu'il faut souligner, c'est que assez paradoxalement, cette école-là a été assez soutenue par les populations. C'était l'école de l'émancipation, du progrès, de l'accès à la langue nationale, de l'accès à une culture nationale. Et au fond, cette école très inégalitaire était malgré tout assez soutenue. Les enseignants avaient étaient des gens assez populaires. On avait le sentiment que c'était des professionnels qui se dévouaient beaucoup pour les élèves, etc. En réalité, cette école était soutenue parce qu'on n'attendait pas vraiment de l'école qu'elle change le destin des élèves. On attendait de l'école plutôt qu'elle intègre la nation, qu'elle intègre la société. Le pays d'où je viens, la France, était un pays dans lequel on attendait de l'école qu'elle fonde d'une certaine manière, qu'elle fabrique ce qu'on appelle la République, c'est-à-dire la nation, la démocratie, le progrès, etc. Et jusqu'aux années 60, la cause des inégalités scolaires est d'abord perçue comme un ensemble d'inégalités sociales. C'est à cause des inégalités sociales qu'il y a des inégalités scolaires, et les syndicats, les partis de gauche ne critiquent pas l'école en réalité, ils critiquent les inégalités de classe. On a vécu dans ce système jusqu'aux années 1960, c'est-à-dire jusqu'au moment où on a commencé à ouvrir les portes de l'école, les portes du lycée, les portes de l'université. Et si je pense au pays d'où je viens, le pourcentage de lycéens, d'étudiants a été multiplié par 6 entre les années 1960 et le début des années 2000. C'est une massification considérable, considérable. C'est-à-dire que on a élargi l'accès au lycée, on a élargi l'accès à l'enseignement supérieur. D'autres pays l'ont fait un peu moins, d'autres pays l'ont fait un peu plus, mais ça a été une tendance générale. Et on pourrait dire qu'un des succès de cette politique, c'est que l'égalité d'accès à l'enseignement supérieur, à l'enseignement autrefois bourgeois, s'est très largement développée. Aujourd'hui, un enfant, dans tous ces pays que j'évoquais, un enfant d'ouvrier qui va à l'université, ça n'est pas véritablement une rareté, c'est assez banal. Et au fond, l'accès aux études longues s'est développé, un peu de la même manière que l'accès à la consommation s'est développé avec la société de consommation de masse. Au fond, on fait de plus en plus d'études de la même manière qu'on a de plus en plus de voitures, d'appareils électroménagers, etc., etc. Bien. Alors, cet accès je dirais, cette massification de l'enseignement secondaire, du lycée et de l'enseignement supérieur a été portée par une promesse très très particulière de justice, une conception de la justice qui a été celle de l'égalité des chances. Au fond, on s'est dit, dès lors que tout le monde, ou presque tout le monde, va pouvoir aller au lycée, que tout le monde pourra aller à l'université, eh bien, c'est l'égalité des chances de réussir en fonction de son mérite scolaire qui va devenir la norme de justice. Et donc, on a eu comme idéal de justice de dire l'école peut neutraliser l'impact des inégalités sociales sur les parcours scolaires. L'école va donner à tous les élèves la même chance de réussir. Au fond, on a eu cette espèce de croyance un peu naïve selon laquelle l'école allait faire que le mérite des individus allait avoir plus de poids, plus d'importance que leur naissance et leurs origines sociales.
Évidemment, dans tous les pays du monde, cette promesse a été déçue. On s'est rendu compte que ceux qui réussissaient toujours le mieux, c'était toujours les enfants des catégories les plus fortunés, les plus cultivés, les plus informés, et que d'une certaine manière, les vainqueurs de la compétition scolaire étaient toujours les mêmes, et que les vaincus de la compétition scolaire étaient toujours les mêmes. Autrement dit, l'école a continué d'une autre manière à reproduire les inégalités scolaires. Alors, si on en reste là, on peut dire, bon, rien n'a changé avec la massification scolaire, rien n'a vraiment changé, c'est toujours les mêmes qui vont avoir les meilleurs diplômes, les meilleurs emplois. Et c'est toujours les mêmes qui auront les moins bonnes formations, les moins bons diplômes et les moins bons emplois. Alors, ceci n'est pas totalement, totalement vrai. Je m'explique. La massification scolaire a changé non pas le résultat des inégalités, mais la manière de produire les inégalités. Ce que je veux dire, c'est que dans l'ancien système, où vous entriez dans les études en fonction quasi essentiellement de votre naissance, les uns travaillent, les autres étudient, parce qu'ils sont les uns riches, les uns pauvres et les autres riches. Là, vous entrez dans un système où les élèves vont être, au fond, sans cesse sélectionnés, notés, jugés, et ce qui va créer les grandes inégalités scolaires ne se déroule plus avant l'école, mais se déroule pendant l'école. Au fond, c'est au cours des parcours scolaires des élèves que les petites inégalités qu'il y a entre les élèves vont s'accumuler, se multiplier. Les uns sont un peu meilleurs, les autres sont un peu moins bons. Les uns vont aller dans des écoles un peu meilleures, les autres dans des écoles un peu moins bonnes. Et d'une certaine manière, au cours des études, les inégalités scolaires ne vont cesser de s'accroître, alors qu'on imaginait que l'école allait réduire plutôt les inégalités scolaires. Donc, on a un phénomène que, dans un langage un peu technique, on pourrait appeler l'agrégation des petites inégalités. Au fond, les petites inégalités qu'il y a entre les élèves, dont les origines sont sociales, ces petites inégalités, l'école ne les atténue pas, l'école les accentue régulièrement, un peu comme les inégalités de santé, où selon votre parcours de vie, vous êtes un peu mieux soigné, un peu mieux nourri, un peu mieux éduqué, et à la fin, ça fait de grandes inégalités. Eh bien, à l'école, c'est pareil, vous avez des petites inégalités. Et celles-ci vont se développer. Avec ce phénomène paradoxal, c'est que plus vous allongez les études, plus vous accentuez cette croissance des petites inégalités. Donc ça, c'est un mécanisme qui est un peu contre-intuitif, parce qu'on dit on va faire rentrer tous les élèves dans la même école, et en réalité, non. En réalité, les élèves qui apprennent à lire un peu plus tôt, les élèves sont un peu meilleurs en mathématiques, eh bien, à la fin, ça fait de très grandes inégalités scolaires. Ça, c'est le premier facteur. Le second facteur d'explication de cet échec de l'égalité des chances, c'est que plus vous développez la massification scolaire, plus le nombre de concurrents scolaires est élevé. Et plus les familles vont jouer la carte des inégalités scolaires. Au fond, dans l'ancien système, il suffit de naître dans la bourgeoisie ou il suffit de naître ailleurs pour que les inégalités se fassent. Aujourd'hui, quand vous observez les classes moyennes supérieures, qu'elles soient chiliennes, argentines, américaines, anglaises, allemandes, françaises, c'est partout pareil, elles font tout pour que leurs enfants bénéficient des inégalités scolaires. Donc,
on n'est plus dans le modèle, si vous voulez, où les inégalités se transmettent, mais on est dans un modèle où les classes moyennes qui bénéficient des inégalités cherchent à les maintenir et à les accentuer. Ce qui fait d'ailleurs que très souvent, les réformes scolaires qui voudraient être égalitaires se heurtent à l'opposition des classes moyennes, que celles-ci d'ailleurs soient de droite ou de gauche. Ce n'est pas tellement le problème. Parce que dans un système très concurrentiel comme celui-là, il faut accentuer les inégalités scolaires favorables à ces enfants. Donc, on peut dire que de ce point de vue-là, l'école fonctionne comme un marché. Un marché dans le sens où les acteurs sont en concurrence et les mieux placés optimisent leurs avantages. Alors, ça se voit de manière considérable par le choix des établissements, le choix de l'âge de la scolarisation, les modèles éducatifs que l'on choisit. Enfin, on fait tout. Ceux qui le peuvent font tout pour maintenir leurs avantages scolaires. Et au fond, même si les sociétés préfèrent l'égalité, les individus, eux, préfèrent les inégalités scolaires dès qu'il s'agit de leurs enfants. Le dernier point, évidemment, c'est qu'aucun pays n'a pu créer véritablement une égalité de l'offre scolaire. Les établissements reproduisent des inégalités sociales partout. Partout, les écoles des quartiers riches sont meilleures que les écoles des quartiers pauvres, pas forcément parce que les enseignants sont meilleurs, mais parce que les élèves meilleurs, eh bien, accentuent leur avantage et que les élèves des quartiers défavorisés accentuent leurs difficultés, leurs handicaps, etc. Donc, au fond, la massification scolaire a fait une promesse, l'égalité des chances, et cette promesse, eh bien, elle n'est pas tenue et c'est une grande déception. Et c'est une grande déception, d'ailleurs, qui fait que maintenant, on critique beaucoup l'école, qui est plutôt moins inégalitaire qu'elle l'était il y a 50 ans, mais comme c'est dans l'école que se font les inégalités, évidemment, les enseignants sont mis en accusation, les ministres sont mis en accusation, parce que ça n'est plus directement les inégalités sociales qui jouent, mais c'est dans l'école que ça se développe, et donc on peut penser toujours que c'est dans l'école que ça se passe. Alors, c'est cette manière de produire les inégalités scolaires a quand même des conséquences, de mon point de vue, très importante sur le plan sociopolitique. Au fond, quand on était dans l'école de classe, les inégalités sociales étaient d'abord vécues comme des inégalités de classe. Mais quand les inégalités sont produites dans la compétition scolaire qui oppose les vainqueurs et les vaincus, alors là, il y a le sentiment que, d'une certaine façon, on a deux groupes qui se constituent, le groupe des vainqueurs qui ont gagné à l'école, les diplômés, les intelligents, voilà, et puis de l'autre côté, les non-diplômés, et d'une certaine manière, les diplômés pensent qu'ils méritent leur position, parce qu'ils ont beaucoup travaillé pour ça, et je crois, en tout cas en France, aux États-Unis, en Europe, que les non-diplômés croient aussi que d'une certaine manière, ils méritent leur échec, qu'ils sont un peu responsables de leur échec, parce qu'après tout, ils ont été eux aussi confrontés à l'école. Et donc, vous avez aujourd'hui, en France, en Angleterre, aux États-Unis, un électorat qui est l'électorat, on pourrait dire, démocratique, social-démocrate, progressiste, qui est plutôt un électorat de diplômés, et de l'autre côté, des catégories populaires qui traditionnellement votaient pour les partis de gauche et qui, en France, en Allemagne, ou évidemment avec Trump aux États-Unis, votent de plus en plus pour les partis conservateurs, un peu réactionnaires, populistes, nationalistes, etc., parce que
D'une certaine façon, les inégalités ne sont plus définies directement en termes de classe sociale, elles sont définies dans ce rapport à la méritocratie, à l'égalité des chances. Et donc, les vainqueurs pensent qu'ils méritent la position qu'ils occupent, et les vaincus détestent les élites, les vainqueurs, et se sentent toujours méprisés par les élites, les vainqueurs. Au fond, l'opposition d'Hillary Clinton et de Trump, ça a été ça. Ça a été Hillary Clinton, c'est le parti des universitaires, des diplômés, des libéraux, des intelligents, et Trump, c'était le parti de ceux qui n'avaient pas réussi, pas fait d'études et qui détestaient évidemment les minorités, etc., etc. Donc, on est dans ces inégalités scolaires nouvelles, de mon point de vue, ont un très grand impact sur la vie politique et sociale et changent, au fond, notre rapport aux inégalités. D'un côté, les vainqueurs de la sélection scolaire ont confiance dans les valeurs de l'école et les autres se méfient de plus en plus des valeurs de l'école. Alors, ceci est d'autant plus important que, en même temps que la massification scolaire s'est développée, il y a eu une perte d'autorité de l'école, et ça c'est un phénomène international. Les enseignants d'il y a du milieu du siècle dernier bénéficiaient de l'autorité de la culture scolaire. Au fond, personne ne contestait l'autorité de l'école, pas l'autorité disciplinaire, mais l'autorité culturelle de l'école. L'école était le lieu de la culture, de la raison, du savoir, etc. Il est évident que, et c'est un paradoxe, qu'aujourd'hui, l'autorité de l'école est partout, est mise en cause par les réseaux, les ordinateurs, les smartphones, et que les jeunes, qu'ils soient d'ailleurs des jeunes bourgeois ou des jeunes d'origine populaire, passent beaucoup plus de temps devant leurs écrans que dans la salle de classe. Et donc, on a une situation extrêmement paradoxale où de plus en plus de gens vont à l'école de plus en plus longtemps, mais dans laquelle l'autorité de l'école semble beaucoup plus faible qu'elle n'était. Et donc, vous voyez bien que, d'une certaine façon, l'école est prise dans un mécanisme étrange. D'un côté, elle crée des inégalités qui sont vécues comme insupportables, et de l'autre, elle n'a plus véritablement la même autorité qu'autrefois. Et je voudrais dire, évidemment, que je comprends complètement ce qu'on appelle la crise du métier d'enseignant, la difficulté de l'enseignement. Au fond, c'est de plus en plus difficile d'enseigner, parce que les enseignants doivent sans cesse organiser la compétition méritocratique, ce qu'ils n'avaient pas à faire, et de l'autre côté, il s'adresse à des élèves qui n'acceptent pas aussi facilement qu'autrefois l'autorité du maître, le maître disant « je suis la science, je suis la culture, je suis la raison, je suis la nation ». Aujourd'hui, aucun enseignant ne peut véritablement parler comme ça et doit toujours essayer de motiver, attraper les élèves, etc. Donc, on est dans une situation très difficile, puisque l'école a accru son emprise et au fond sa capacité de créer de la justice d'un côté et sa capacité d'avoir une influence culturelle très forte sur les élèves décline. Alors, il y a de grandes différences entre les pays. Il y a des pays qui s'en sortent mieux que d'autres, évidemment. Mais il ne faut pas imaginer que c'est une situation qui serait simplement bonne pour la France, l'Argentine et le Brésil. Cette situation, avec des degrés divers, on la trouve absolument, absolument partout. Donc, on est confronté aujourd'hui à deux grands enjeux, de mon point de vue. Le premier, c'est que, évidemment, il est très difficile
de s'opposer à l'égalité des chances. Et je crois que l'égalité des chances, il faut arrêter, il faut accepter l'égalité des chances, mais il faut arrêter de la voir toujours du point de vue des vainqueurs de la compétition scolaire. Et je crois que l'école juste, ce n'est pas simplement l'école qui permet à quelques enfants d'origine modeste d'accéder aux très bonnes écoles et aux très bonnes universités. Je crois que l'école juste, c'est celle qui offre la meilleure formation possible à tous les élèves, y compris aux élèves les plus faibles. Or, nous faisons l'inverse. Nous mettons beaucoup plus d'argent dans les bonnes écoles que dans les mauvaises. Nous mettons beaucoup plus d'argent dans l'enseignement supérieur que dans les écoles élémentaires. Et donc, nous favorisons toujours les vainqueurs. Je suis convaincu que la société juste, ce n'est pas simplement la société dans laquelle il y aurait une véritable égalité des chances, mais que la société juste est une société dans laquelle les vaincus de la compétition scolaire sont les mieux traités possibles. Or, ça, c'est un changement très, très fondamental. Au fond, le vrai clivage politique, c'est est-ce que ma priorité, c'est de permettre à tout le monde d'être un bon élève, ou est-ce que ma priorité, c'est de faire que ceux qui ne seront pas des bons élèves et qui seront la majorité, ont la meilleure formation possible. Donc, je crois que c'est un raisonnement, évidemment, que j'emprunte à John Rawls et à d'autres. La société la plus juste, c'est la société qui traite le mieux les plus faibles de ses membres. Voilà. Or, notre tendance est toujours de croire que tout le monde peut devenir champion. Mais ce n'est pas possible. Et donc, il faut donner la priorité à ceux qui ne seront pas des champions. Et ça, je crois que c'est très difficile. Le second problème que pose aujourd'hui la massification scolaire, c'est au fond notre extraordinaire confiance dans le mérite scolaire. C'est-à-dire que nous pensons très souvent que le mérite scolaire, c'est quand même le mérite le plus juste et qu'il est juste que ce soit le diplôme qui définisse la valeur d'un individu. Alors, évidemment, le diplôme définit la valeur d'un individu, mais il n'est pas juste que le diplôme définisse toute la valeur de tous les individus. Je veux dire qu'aujourd'hui, on l'a vu avec la pandémie, les gens qui ont un travail non qualifié dans les supermarchés, dans les services urbains, dans les transports, dans les hôpitaux et qui n'ont pas vraiment de mérite scolaire, se sont révélés être des gens bien plus utiles souvent que ceux qui ont le mérite scolaire. Donc, il faut interroger non pas le mérite scolaire, mais l'espèce de monopole du mérite scolaire sur le mérite. Et je crois qu'une société juste devrait offrir plusieurs modes de manifestation du mérite que le seul mérite scolaire. Voilà. Je crois que l'école est en train d'étouffer sous la responsabilité qu'on lui donne d'avoir le monopole de la définition du mérite. Et ça accentue les inégalités, ça accentue la compétition, ça accentue les inégalités, la violence des rapports sociaux. Je crois qu'il serait bon que l'on puisse avoir des formations qui ne soient pas que scolaires, que les individus puissent se former tout au long de leur vie, que tout ne soit pas joué à l'âge de 12 ans et de 15 ans, et qu'une société qui offrirait dans la vie plusieurs possibilités de manifester son mérite serait sans doute une société plus juste. Évidemment, c'est une idée qu'il est très, très difficile de faire comprendre au monde scolaire qui est très attaché au mérite scolaire, notamment parce que les enseignants ont du mérite scolaire et donc ils y croient. Mais il y a bien d'autres formes de mérite que le mérite scolaire. Enfin, je voudrais rappeler que quand on regarde sur la longue période,
L'égalité scolaire a été non pas le produit de la massification scolaire, mais le produit de la réduction des inégalités sociales. Au fond, si on veut réduire les inégalités scolaires et si on veut favoriser le mérite, il faut d'abord réduire les inégalités sociales. Si vous réduisez les inégalités sociales, vous aurez une école plus méritocratique. Mais si vous avez une école plus méritocratique, vous ne réduirez pas pour autant, voire au contraire, vous accentuerez les inégalités sociales. Donc, l'avantage du vieux raisonnement consistant à dire la priorité, c'est d'abord la réduction des inégalités de salaire, de conditions de vie, d'emploi, etc., est un raisonnement beaucoup plus robuste pour produire une société acceptable que le raisonnement qui dit créons une compétition méritocratique tout au long des études de façon à ce que les meilleurs gagnent. Je crois qu'il faut quand même revenir quelquefois à des raisonnements de bon sens. Le dernier point que je voudrais évoquer, c'est qu'aujourd'hui, il faut absolument s'interroger sur les capacités éducatives de l'école. Je crois que le risque que court l'école, c'est d'être vécu par les parents uniquement comme un espace de compétition pour que leurs enfants aient des diplômes et des emplois. Alors, c'est inévitable. Dans une école de masse, c'est inévitable. Mais je reste persuadé qu'il faudrait que l'école retrouve une capacité éducative, c'est-à-dire qu'on s'interroge sur les valeurs de l'école, la vie commune à l'école, les relations entre les enfants, les relations avec les parents, de manière à ce que l'école, au fond, même quand les élèves échouent, donne aux élèves une forme de confiance en eux, une forme de confiance dans la vie sociale qui ne leur est pas donnée aujourd'hui. Voilà ce que je souhaitais vous dire et je vous remercie de m'avoir écouté. Ahí entraron a, empezaron a entrar los, sí, los nuestros. Hubo mensaje de Candela. Vamos, Werner. Vamos. Nuevamente, bienvenido, François, a este congreso. Es una enorme alegría contar con este encuentro sincrónico. Y además de saludarlo y de decirle que escuchamos atentamente sus palabras, su conferencia, queríamos justamente aludir al último libro que tuvimos acceso suyo, que es La época de las pasiones tristes, entró en el 2020, y a propósito, usted definió este tiempo como una época de pasiones tristes. Entonces, queríamos preguntarle cómo la cuestión de la desigualdad nos produce frustraciones, cómo podemos pensar este momento de la post-pandemia desde la escuela. Comment peut-on penser ce moment de la post-pandémie à partir de l'espace de l'école, vu que l'inégalité produit des passions tristes? Non, le coach, François. Vous m'entendez? Oui, maintenant oui, merci. Oui. Je crois que l'école a été emportée dans les décennies passées, par une évolution. Ha sido llevada en las últimas décadas por una evolución. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus fort, François? Voilà, d'une part, l'école a été chargée d'opérer le tri entre les élèves. Por un lado, la escuela ha sido la encargada de operar el reparto entre los alumnos, la distribución, la selección. Ce qui a développé un rapport instrumental à l'école, au fond. Que de alguna manera u otra, esta selección desarrolló una relación instrumental entre los chicos y la escuela. D'autre part, on sait maintenant que les jeunes sont très adeptes des écrans, des nouvelles technologies. Por otro lado, sabemos que hoy los jóvenes son muy adeptos a las pantallas, a las nuevas tecnologías. Et que l'autorité culturelle traditionnelle de l'école a beaucoup décliné. Y que la autoridad tradicional de la escuela declinó muchísimo.
d'une certaine manière, l'école est devenue un espace néolibéral. D'un certain modo, la escuela también devino un espacio neoliberal. Alors, avec la pandémie, en tout cas dans le cas français, y en todo caso con la pandemia y sobre todo en el caso francés, puedo hablar de él. Il s'est révélé que l'école était, du point de vue des élèves, se reveló, pardon. La escuela reveló ser desde el punto de vista de los estudiantes que l'école était un espace irremplaçable de socialisation et d'éducation. La escuela se reveló como un espacio irreemplazable de socialización y de educación desde el punto de vista de los estudiantes también. On peut dire que les élèves n'ont pas tellement souffert de l'absence de cours de mathématiques. Se puede decir que probablemente los alumnos no hayan extrañado mucho los cursos de matemática, por ejemplo. Mais ils ont souffert de l'absence de vie sociale, des amours, des amitiés, des relations qui Pero leur sí. permettent de grandir. Pero sí sufrieron la ausencia de la vida social, de los amores, de las relaciones, de todo eso que les permite crecer. Et je crois que ce constat devrait nous conduire à considérer que l'école doit être un lieu d'éducation, de formation des individus. Y creo que esta constatación debe conducirnos a entender que la escuela es un espacio de educación y de socialización de los individuos. Et je crois que l'école devrait être un lieu dans lequel on fait des choses. Y que la escuela entonces tiene que ser un lugar en donde se hagan cosas. Je crois que l'école devrait être un lieu où on fait des expériences scientifiques. Creo que la escuela tiene que ser un lugar donde se hagan experiencias científicas. Où on fait de l'expression littéraire. Donde se hagan expresiones literarias. Et pas simplement un lieu où on apprend des contenus scolaires. Y no simplemente un lugar donde se aprenden contenidos escolares, un espacio del hacer. D'une certaine manière, l'apprentissage strict de connaissances. De alguna cierta manera, el estricto aprendizaje de conocimientos. Pourra passer par des nouvelles technologies. Podría seguir pasando por las nuevas tecnologías, podría ser transmitido por nuevas tecnologías. Mais en revanche, l'apprentissage de la vie commune, l'apprentissage des vertus démocratiques devrait se faire par une école de l'expérience sociale. Pero el aprendizaje de la vida en común, el aprendizaje de la vida democrática debe hacerse en una escuela que enseñe justamente el aprendizaje social. Ce qui suppose que les établissements soient des communautés éducatives. Cuestión que supone que los establecimientos devengan comunidades educativas. Que les enseignants soient vraiment des pédagogues. Y que los maestros sean realmente pedagogos. Ce qui suppose, en tout cas dans un pays comme la France, une véritable révolution culturelle. Esto, por ejemplo, nomás en un país como Francia, implica procesar y emprender una verdadera revolución cultural. Car aujourd'hui, le risque que nous connaissons dans la plupart des pays riches, en tout cas, porque hoy el riesgo que se conoce bastante bien en la mayoría de los países ricos, c'est que l'école distingue les vainqueurs de la compétition et les vaincus. Es que la escuela se ponga a distinguir entre los vencedores de la competencia y los vencidos. Et le risque démocratique, c'est que les vaincus rejettent les valeurs transmises par l'école. Y que esto acarrea el riesgo democrático de que los vencidos justamente rechacen los valores democráticos aprendidos en la escuela. Au fond, les vaincus ne croient ni à la science, ni à la démocratie, ni aux institutions. En el fondo, quienes fueron vencidos por esta selectividad escolar ya no creen ni en la ciencia, ni en la democracia, ni en los valores aprendidos en la escuela. Je crois qu'il faut donc refonder une école qui soit une école de l'éducation commune. Creo que entonces es necesario refundar la escuela en el sentido de una escuela de la educación en común. Une école dans laquelle on apprend par l'expérience commune.
Una escuela en la que se pueda aprender a través de la experiencia común. Et pas simplement une école qui organise la compétition entre les individus. Y no una escuela que simplemente organice una competencia selectiva entre individuos. C'est la meilleure leçon qu'on pourrait tirer de la pandémie. Creo que esta es la mejor lección que podemos extraer de la pandemia. Si on ne tire pas cette leçon, si no extraemos esta lección, si no contamos con este aprendizaje, je crois que l'école de demain sera comme l'école d'avant, mais en pire. Creo que la escuela de mañana va a ser como la escuela de antes, pero incluso peor. Alors il faut former les enseignants. Entonces creo que es necesario formar a nuestros docentes. Il faut les former comme des professionnels. Hay que formarlos como profesionales. De la même manière qu'on forme les médecins et les ingénieurs. Del mismo modo como se forman los médicos, los ingenieros. Et il faut que les établissements soient des communautés qui prennent en charge. Y es necesario que las instituciones sean comunidades que tomen en cuenta, que se hagan cargo. L'éducation des enfants et des jeunes. De la educación de los niños y de los jóvenes. Alors, ça ne sera pas le paradis. Entonces, por supuesto, no va a ser el paraíso. Ça n'abolira pas les inégalités. No se van a abolir las desigualdades de la noche a la mañana. Les élèves auront droit à ce que l'éducation peut leur donner. Pero los alumnos sí van a tener derecho a aquello que la educación puede darles. C'est-à-dire une certaine confiance en eux et une certaine confiance dans les autres. Es decir, una cierta confianza en ellos mismos y confianza en los demás, en los otros. Voilà ce qu'on pourrait dire en étant optimiste. Pienso que esto es lo que podríamos decir siendo optimistas. Merci, François. ¿Nathan, une deuxième question, alors? La segunda pregunta, sí. La segunda pregunta. Gracias. Sí, François, sí, efectivamente... Una de las salidas que usted plantea tiene que ver con, una de las salidas al problema de la desigualdad tiene que ver con la solidaridad. ¿Qué prácticas solidarias podrían identificarse y fomentarse en las escuelas? Alors, si une des sorties de ce dilemme des inégalités se rapporte à la solidarité, quelles pratiques pourrait-on aujourd'hui repérer, identifier et même impulser à partir des espaces scolaires? Alors, je crois qu'aujourd'hui, la plupart des élèves sont mis dans une situation de compétition. Je crois que hoy la mayoría de los estudiantes están metidos, inmersos en una situación de competencia. Et paradoxalement, plus l'école est une école de masse démocratique, plus la compétition est forte. Y paradójicamente, cuanto más la escuela se volvió masiva, más fuerte también se hizo la competencia al interior de ella. Ce qui fait que d'ailleurs que dans la plupart des pays, la démocratisation scolaire a été une déception. Cuestión que hizo que en la mayoría de los países la democratización escolar también acarreó una gran decepción. Alors, il me semble qu'il y a deux principes que l'on pourrait développer. Entonces creo que frente a esto hay dos principios que podríamos desarrollar, que nos podrían orientar. Le premier, c'est de donner la priorité à une scolarité commune et homogène. El primero es darle prioridad a una escolaridad común y homogénea. Je dirais que ce qu'il faut, c'est que avant l'âge de 16 ans, par exemple, yo lo que diría es que antes de la edad de 16 años, por ejemplo, tous les élèves aient droit à la même éducation, todos los niños tengan derecho y acceso a la misma educación, ne soient pas triés, que no estén seleccionados antes de los 16 años, afin que les moins favorisés d'entre eux aient droit à une sorte de, entre guillemets, à une sorte de minimum culturel commun. De modo que los menos favorecidos de estos niños menores de 16 años tengan acceso a bienes culturales comunes.
d'une certaine manière, la méritocratie est acceptable si les vaincus de la compétition ont la meilleure condition possible. De algún modo, uno podría decir que la meritocracia incluso podría ser aceptable si el zócalo de acceso es igual para todos. Le second thème que l'on pourrait développer, el segundo tema que para mí sería interesante desarrollar, ce n'est pas une critique du mérite scolaire. No es justamente ir contra la cuestión del mérito escolar. C'est le fait que l'école a le quasi-monopole de la définition du mérite des individus. Sino el hecho justamente de que es la escuela la que casi monopoliza, tiene el monopolio de la definición del mérito de los individuos. Il faudrait que nos sociétés soient capables de définir plusieurs formes de mérite. Sería necesario que nuestras sociedades puedan desarrollar maneras diversas de definir el mérito. Alors que dans le cas de la France, par exemple, le mérite scolaire est absolument hégémonique. Y en el caso de Francia, por ejemplo, es muy fuerte el rol de la escuela porque el mérito viene definido por ella y es hegemónica en esa definición. Donc, il faudrait que l'on donne une place au mérite professionnel. Entonces, para mí sería importante, por ejemplo, darle un lugar un poquito más grande al mérito de la formación profesional, por ejemplo. Il faudrait que on donne une place au mérite que l'on peut avoir dans les relations humaines. Sería importante, por ejemplo, también darle un lugar al mérito que se obtiene de las relaciones humanas, por ejemplo. Et il faudrait plus encore que la vie ne s'arrête pas après l'école. E incluso más, sería muy importante que la vida luego de la escuela no quede detenida. C'est-à-dire que, comme dans une compétition sportive, on puisse rejouer les matchs. Es decir, que al igual que en una competencia deportiva, los partidos puedan volverse a jugar una y otra vez. D'une certaine manière, l'école, c'est comme une compétition sportive dans laquelle il n'y a qu'un match. De algún cierto modo, la escuela es como un gran torneo deportivo, como una competencia, pero en la que solo pareciera tener que jugarse un único partido. La sociologie nous apprend que tout est joué à l'âge de 10 ans. La sociología, por ejemplo, nos muestra, mediante sus estadísticas, que todo se juega más o menos alrededor de los 10 años del niño. Alors, qu'il faudrait que l'on puisse recommencer, rejouer à d'autres moments de sa vie. Y creo que es muy importante que la cuestión del mérito no se juegue toda aquí ni desde ese lugar. Es necesario que ese niño de 10 años tenga muchas oportunidades para volver a jugar los partidos del mérito a lo largo de su vida. Je crois que l'école serait meilleure si on ne lui accordait pas autant d'importance dans le destin des individus. Creo que la escuela sería mucho mejor si no se le diera tanta importancia en la definición del destino de sus individuos. Parce que dans ces conditions, toutes les familles, et notamment les familles de classe moyenne supérieure, porque bajo estas condiciones todas las familias, sobre todo las familias de clases medias más o menos acomodadas, feront n'importe quoi pour que leurs enfants soient vainqueurs de cette compétition. Van a hacer cualquier cosa y perseguir cualquier fin para que sus hijos sean los vencedores en esta competencia. Mais si on peut avoir d'autres formes de mérite, en cambio, si podemos validar otras formas de mérito, la société sera toujours inégalitaire. La sociedad va a seguir siendo desigual, pero les inégalités seront moins cruelles. Pero las desigualdades van a ser un poco menos crueles. Et peut-être que la confiance dans les valeurs démocratiques sera plus forte. Y tal vez la confianza en los valores democráticos se volverá un poco más fuerte. Autrement dit, il faut une école qui soit moins décisive dans la vie dans le destin social des individus. Dicho de otro modo, es necesaria una escuela que sea un poco menos decisiva en la selectividad del destino de los individuos.
et une école qui soit plus décisive dans la formation de leur personnalité. Y una escuela que sea más decisiva a nivel de la formación de sus personalidades. Et je le répète, c'est d'autant plus possible. Y repito, todo esto es posible. Que demain, on sait que les jeunes apprendront beaucoup par le biais des nouvelles technologies. Incluso incorporando las nuevas tecnologías, porque sabemos que el día de mañana los jóvenes van a aprender y muchísimo. Donc, une école plus modeste serait meilleure. Entonces, tal vez una escuela más modesta en su rol hegemónico social sería mejor. Merci. J'ajoute que pour encourager les enseignants, agrego que para justamente envalentonar la tarea docente, l'école n'est pas chargée de sauver le monde. La escuela no es la encargada de salvar el mundo. Elle est simplement chargée d'être une bonne école. Simplemente debe encargarse de ser una muy buena escuela. Ce qui est déjà pas très facile. Lo cual ya es bastante difícil. Voilà ce que je pourrais dire. Bah, c'est super, merci. Merci François. Senda, oui. Queremos agradecerle a François Dubert digamos, este intercambio, decirle también que tenemos muchos saludos en el Facebook, muchas reflexiones, nos gustaría saber, preguntarle, no queremos abusar de su generosidad, si podemos hacerle una última pregunta, porque hay muchas preguntas en el Facebook, seleccionamos una como para poder cerrar este intercambio y no abusar de su generosidad con respecto a la predisposición y también al horario. Ahí le pregunto. Cher François, ils sont très 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 contents et remerciés et de vous avoir ici parmi nous et dans ce congrès si important. Et en fait, le Facebook est plein, a plein de questions, etc. Est-ce qu'on pourrait vous poser encore une ou c'est trop tard? Posez-moi encore une question, oui, bien sûr. Alors, une question de plus. Alors, merci. Si, una pregunta más. Bueno, seleccionamos una de tantas preguntas que dice, en función entonces del fracaso de la idea de igualdad educativa, ¿es menester revisar o repensar el currículum escolar? Si on assume alors l'idée de fracas de l'horizon d'égalité éducative, est-ce qu'il serait nécessaire de revisiter la question du curriculum en fait scolaire? C'est une question assez compliquée et je suis pas vraiment très à l'aise pour répondre parce que je ne suis pas un pédagogue. Dice que es una pregunta complicada y que no se siente del todo cómodo respondiéndola porque él no proviene del campo pedagógico. Je crois qu'il faudrait s'interroger. Pero que cree que sería necesario interrogarse. Sur deux choses. La première, c'est sans doute de savoir ce dont les élèves auront besoin de comprendre. Dice que sería interesante igualmente interrogar dos dominios. El primero, ¿qué es lo que sería interesante que los chicos aprendan? Je crois qu'on apprend aux élèves beaucoup de choses qu'ils oublient. Creo que les enseñamos muchísimas cosas a los estudiantes que ellos olvidan enseguida. Parce qu'au fond, ils les apprennent uniquement pour être sélectionnés. Porque en el fondo solo las aprenden para poder ser seleccionados, vencedores o vencidos. Toutes les enquêtes montrent d'ailleurs que dès qu'on a quitté l'école, on oublie en général ce que l'on n'utilisera pas dans sa vie. Casi todas las encuestas, de hecho, muestran que una vez que los chicos se van del colegio, egresan de la escuela, olvidan casi todos los conocimientos que no van a utilizar en la vida. La seconde chose, je crois qu'il faut, c'est qu'il faut avoir des curriculums modestes, mais creo des que curriculums que l'on exige. Que l'on exige, des modestes et des curriculums que l'on exige. Des curriculums modestes, dans lesquels il n'y ait pas beaucoup, forcément beaucoup de connaissances,
mais des connaissances que l'on exige que les élèves connaissent. Ok. Creo que por otro lado, entonces sería interesante acompañar la primera reflexión por una segunda que justamente permita hacer currículums un poco más modestos en cantidad de aprendizajes, ¿no? Pero que sean bien exigentes respecto de la modalidad en la cual esos aprendizajes sí tienen que ser incorporados. Je vais prendre un exemple qui est assez français lié à la pandémie. Voy a tomar un ejemplo que es bastante francés y que viene vinculado a la cuestión de la pandemia. Les élèves français apprennent beaucoup, beaucoup de connaissances scientifiques. Los alumnos franceses aprenden y aprenden y aprenden conocimientos científicos, muchos, muchísimos. Et on s'est rendu compte pendant la pandémie que la plupart des citoyens. Y nos dimos cuenta durante la pandemia que la mayoría de los ciudadanos ne comprenaient rien au fonctionnement de la science, no entendían nada de cómo funcionaba la ciencia, ni à des statistiques élémentaires. Ni que tampoco eran capaces de leer estadísticas elementales. Je crois qu'il aurait fallu consacrer du temps dans l'éducation à comprendre comment se fabrique la science. Creo que hubiese sido muy importante en la educación de estos ciudadanos dar tiempo para explicar, por ejemplo, cómo es que se va creando y cómo funciona la ciencia. Et des choses assez élémentaires sur les statistiques. Y algunos conocimientos básicos sobre lectura de estadística. Alors que nous avons vécu dans l'espace politique et dans les médias, nous avons eu un océan de bêtises. Por ejemplo, en todo el espacio público y en los medios, ça a été aussi chez nous, también fue así aquí en Argentina, se vivieron un montón de tonterías, un montón de pavadas, se dijeron. Ce qui est dangereux pour la science, mais ce qui est aussi dangereux pour la démocratie. Cuestión que es muy peligrosa, tanto para la ciencia como para la democracia. Donc, je crois qu'il faut que les curriculums soient centrés sur des apprentissages élémentaires, rigoureux et d'une certaine manière des apprentissages qui prennent beaucoup de temps. Entonces creo que sería muy importante que los currículums sean más modestos y estén concentrados en aprendizajes rigurosos, más puntuales y que justamente sirvan para interpretar la vida y para brindar herramientas muy concretas. Après, certains élèves peuvent devenir des savants, des écrivains, des philosophes, mais une société se construit sur la culture commune à tous. Et je crois que c'est ça le rôle de l'école. Luego, por supuesto, algunos estudiantes podrán devenir poetas, filósofos, ingenieros, pero creo que una sociedad se construye justamente por un acceso básico, igualitario a saberes comunes, a una cultura común. Voilà. Gracias, François. Muchas gracias por este tiempo compartido, este tiempo de reflexión. Tenemos a todos los y las docentes de Tierra del Fuego, y del resto del país, del resto de Argentina y de Latinoamérica, escuchando, reflexionando, trabajando sobre las propias prácticas. Yo creo que ha sido un gran cierre para este cuarto Congreso de Educación e Inclusión desde el Sur. Merci beaucoup. Muchas gracias. Surtout que vous allez rentrer dans l'été. Y sobre todo ustedes que van a entrar en el verano. Et vous allez et moi je vais rentrer dans l'hiver. Et donc je vous souhaite un bel été. Y a mí que me espera el invierno, así que les deseo un muy lindo verano. Merci François. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. Et merci à vous d'avoir traduit. Oh, je vous remercie, c'était vraiment...
Bueno, Pablo, ¿cómo bueno, te decimos? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Una vez más les agradecemos por habernos acompañado en este cuarto Congreso Internacional de Educación e Inclusión desde el Sur. Gracias a todo el equipo del Ministerio por este gran trabajo que han realizado durante todos los días. Agradecer también a todos los que han participado, a cada uno de ustedes que está desde su casa, nos fueron acompañando. Gracias también a todos los docentes que han compartido sus experiencias en las diferentes mesas que se trabajó en el día de hoy, así que muy agradecido por esto. Nos espera un gran desafío. A partir de hoy tenemos una gran misión, que es justamente poder volcar todas estas experiencias y todas estas herramientas que hemos recibido a lo largo de estos dos días, poder volcarlas en nuestras instituciones educativas. Debemos trabajar y transformar estas realidades que vivimos en las escuelas, que estas desigualdades que se presentan, que la escuela no sea el lugar en donde se acentúe aún más, sino que sea un lugar en donde dé oportunidades, en donde ningún alumno, ninguna alumna pierda la posibilidad y el acceso a tener una educación y una educación con calidad. Así que nos espera un gran trabajo que seguramente para el año que viene, en el próximo Congreso Internacional, tendremos mucho por compartir. Así que les deseamos un fin de año maravilloso, para cargarnos las pilas para comenzar el año que viene. Así que también gracias a Analía por haber gestado este espacio dentro de la provincia, que nos permite no solamente a los fueguinos y a las fueguinas, sino a todo el país, poder juntarnos y poder compartir nuestras experiencias. Yo quiero, bueno, agregar alguna palabra. En primer lugar, agradecerte, Senda Ferco, por esa traducción simultánea maravillosa con el querido François recién, y bueno, y todo lo que ha circulado en este congreso, en este cuarto congreso, como dice Pablo, nos desafía para esa escuela que François nos menciona como no esa escuela salvadora del mundo, sino esa escuela que tiene que ser el lugar de lo común, el lugar de ese servicio social, cultural, que tenemos que proveer los estados para que los chicos, las chicas, los jóvenes, la docencia entera y todos quienes hacen comunidad educativa tengan la posibilidad de seguir construyendo una escuela diferente que no sea esa tan distópica que nos marca la pandemia, sino aquella de la esperanza de todo eso que nos mostró justamente el estar encerrados y encerradas en cuarentena durante tanto tiempo, la necesidad de ese lugar de lo común. Y nos desafía algo hoy, y seguramente ojalá el año que viene, cuando estemos abriendo este congreso, la quinta edición, no tengamos que lamentar un femicidio como el que tuvimos ayer en una escuela de Chubut, una escuela patagónica. Por eso creemos que es muy importante sostener en alto una política integral sobre la educación sexual, y por ello también entendemos que el próximo congreso tiene que tener como eje esa bandera. Hace varios años que está en ejercicio la ley, y eso no solo es escribirla, sino que todos quienes estamos en las escuelas argentinas y del mundo tenemos que promover la igualdad desde los hechos concretos, desde el currículum, pero también desde el trabajo ese que pensamos en lo común, pero desde las diferencias, desde todas aquellas cuestiones que nos distinguen y nos hacen únicos, pero también sumando a una posibilidad de respetarnos colectivamente. Y por eso, por todo lo que circuló en este congreso, creemos que hay una voz que estuvo en las prácticas que contaron toda la docencia argentina y de otros países, estos grandes referentes de la educación, de la sociología de la educación y de enorme trayectoria. Todos hablamos de ellos y de ellas, de nuestros y nuestras estudiantes, y el desafío para el quinto Congreso de Educación e Inclusión desde el Sur será incorporarles en el discurso también, y que puedan construir conocimiento junto a aquellos que
quizás desde una mirada adultocéntrica, seguimos fagocitando políticas que aún con las mejores leyes no estamos logrando que den lugar a las mejores políticas. Por eso, en el próximo Congreso y camino de los precongresos a ese quinto momento, en noviembre de 2022, vamos a trabajar con los protagonistas, con los y las protagonistas por los que nos convocamos como escuela. Así que seguramente vamos a ir soñando y creando, tenemos que ser muy creativas y creativos para que tengan ese lugar y para que todo eso que esperamos también se mueva, las estructuras, que mencionando a Jurjo, que tuvimos el honor de tener ayer en apertura, también haga ver que en una sociedad tan educada como la que tenemos hoy, la más educada de todos los tiempos, seguimos fomentando las individualidades, las peores políticas neoliberales, por eso tenemos que hacer lugar también a quienes son protagonistas del destino de esas políticas. Las esperamos para ese inicio del precongreso, seguramente será por allá por abril del 2022, y con una mejor manera de decir que nos vamos a seguir cuidando y que no se lo vamos a delegar al otro, sino que va a ser un cuidado colectivo que nos permita una escuela diferente también y mejor cada vez. Así que les agradecemos a todo el equipo de este ministerio, desde las condiciones administrativas, de todo lo que se gestionó, y a nuestros queridos amigos Gali y Brenner, que están con nosotros desde el día uno de este Congreso Soñado, y al equipo de Eugenia Carrión, Norma Rosales, también los felicitamos y esperamos poder convocarnos con ese desafío. Muchas gracias y hasta la próxima.